Salut à tous les amis, je suis le Darmadoc, j'espère que vous allez tous super bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle custom map zombie sur la map Fridge de Call of Duty Black Ops 3 en custom. Donc en fait, ça va pas être une vidéo découverte parce que de base, je voulais déjà vous faire cette map en custom, sauf que le rec a déconné à la fin. Et du coup, ça fait que j'ai malheureusement pas gardé la vidéo parce que voilà, je veux dire, si t'as que le gameplay et que d'un autre côté t'as pas la facecam ni le son, t'as rien, ça sert à rien. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de simplement de recommencer cette map. Donc ce sera pas une découverte, ce que j'ai découvert un petit peu en gros, voilà. Il y a l'air d'avoir un gros secret derrière, du moins un petit easter egg, un truc quand même à faire. Je vais pas le faire parce que c'est assez long et il faut vraiment que je me mette dedans et tout ça. Donc là c'est vraiment plus je vous montre la map, voilà, on fait 2-3 trucs comme ça, on regarde un petit peu le pack-a-punch, tout le bordel. Et puis voilà, non mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs, vous allez voir, il y a des zombies spéciaux, il y a énormément de choses dedans, il y a des portes, on les compte même plus tellement il y en a. Et puis bref voilà, vous allez bien voir, en soi la map est vraiment très jolie. Moi je la trouve vraiment super classe comme vous pouvez le voir déjà. Et vraiment les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà à première vue, la map a de la gueule, tu vois. Vraiment, la map a de la gueule. Et donc, c'est vraiment bien. On va directement se prendre déjà l'area ainsi que. Qu'un bubblegum, histoire de voir. Ah, c'est bien ça. Ok, donc on commence déjà avec des points. Je me les mets hein, directement, je me mets les points. Et puis voilà. Bref, voilà, vous allez voir, même les armes en soi sont vraiment hyper sympas, enfin tout est bien fait je trouve dans cette map, bref, vous allez bien voir. Putain, le premier zombie que je tue me file des munitions. Ça c'est un signe de ça va être une bonne game. Par contre si je me fais dès le début prendre comme ça, là je vais pas du tout aimer. J'espère que qu'il va me filer la croix des atouts assez rapidement, ce que d'ailleurs heureusement qu'il me l'a filé la première fois la croix des atouts, mais heureusement. Parce que c'était vraiment. J'étais vraiment assez chaud, hein, je veux dire, au niveau... Pour trouver le courant, c'est d'un bordel. Je sais où il est maintenant, le courant. Enfin, je sais pas si je saurais y aller tout de suite. Parce que je l'ai fait une seule fois. Mais c'est vraiment le bordel. Il y a des trucs à récupérer. Je savais pas comment les récupérer non plus. Enfin, c'était vraiment compliqué, quoi. Mais il faudrait vraiment que je me penche dessus. Mais pas tout seul, déjà. Il faudrait que je trouve un copain avec qui jouer. Merde, il est là. Je cherchais le truc. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Non, putain, je m'en fous de ça. Ok. On se fait un gomme, allez, la croix des atouts. Oui! Ok. Donc, la croix des atouts, et puis, je vais juste attendre d'avoir pareil le truc avec l'arme qui s'améliore, là. Pour comme ça, du coup, je vais pouvoir m'acheter soit la MPL, soit la M14. Je vais voir, parce que j'avais vu qu'il y avait une MPL aussi, je sais pas où elle est. Mais bref, voilà, j'avais vu qu'il y avait aussi une MPL. Là, du coup, pour l'instant, vu qu'on a le truc de Windows Vine, du coup, qui file le... Le truc du couteau amélioré là, on peut se faire tout simplement du coup des kills au couteau. Donc ça en soi du coup assez bien parce que du coup ça nous permet de farmer les points parce que vous allez voir vraiment des points on a tout le temps besoin, on a tout le temps 25 000 portes à ouvrir. Voilà, ça j'adore. Je vais vite me les faire au couteau avant que ça les tue. Parfait. C'est chiant comme ça dans les bassements, je pourrais te foutre des claques parce que ça les tue directement quasiment. Allez hop, parfait, manche 4, maintenant j'attends juste vraiment le truc qui file l'arme améliorée et puis après, j'ouvre tout. Oui, parfait, donc, hop là, ok, donc déjà vous pouvez voir, et on a quand même un camouflage magnifique, hein. Moi je trouve que le camouflage est vraiment très beau sur les armes améliorées, on a un petit camouflage animé un peu style eau, style glace, je sais pas trop comment dire, ça c'est sympa. Donc on ouvre ici, ensuite le courant était... quelque part où précisément je ne sais plus. Non, ok, donc là on revient au point de départ. On s'en fout, c'est vrai, on peut cutter, donc pendant qu'on peut cutter vraiment on y va hein. De toute façon dans tous les cas on est dans instantané donc oui c'est sûr qu'on peut cutter. Est-ce que c'était pas par... Ah oui, là on avait le cochon, regardez. Petit clin d'œil à 5, franchement c'est un clin d'œil à 5, j'aime bien. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà. C'est tout, c'était mon kiff sur 5, j'adorais faire ça. J'adorais buter le porc sur 5, franchement c'était un truc qui me tuait. Donc, c'est parti ça, du coup on a le courant.
en dessous, là, on a encore un peu des locaux, un peu comme Five. Cette map me fait vraiment penser à Derberg. Je sais pas si vous voyez c'est laquelle. C'était une map sur Call of Duty World at War. Moi, je trouve, quand on voit comme ça, moi, je trouve que franchement, genre, elle m'y fait penser. Moi, vraiment, j'aimais bien. Ah oui, puis c'est vrai, du coup, il nous a remis aussi des petits golems comme ça, comme on avait sur Kino ou sur Moon encore, par exemple. Et en plus, il en a mis des améliorés, un peu mutés, je sais pas trop comment, là, mais des trucs qui lâchent une sorte de pu dégueulasse. On pouvait jouer un petit film, là, je me souviens, j'avais trouvé ça. Je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, en fait. T'as un truc qui tourne, on dirait un truc avec des atomes, je sais pas quoi. On dirait un truc, tu sais, avec les expériences qu'on fait au collège. Tu sais, genre, tu fous les trucs dans l'eau, tu vois que c'est conducteur et tout ça, genre... Bref. C'était assez... Bref, voilà, ouais, c'était assez sympa quand on faisait ça au collège. Ah, ça remonte à quelques années pour moi, le collège. C'est pas... je sais pas en quelle classe vous êtes, si d'ailleurs vous êtes encore en cours ou si vous bossez déjà. Mais, c'est quoi, il m'a dit, quoi. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, le collège, ça remonte à... Ça remonte à quand même quelques années, hein. Putain, on a un chien. Alors, oh merde, j'ai failli, t'imagines, j'ai failli payer le truc comme ça, 1500 €, t'as vraiment que je les avais pas, sinon j'aurais 1500 balles dans le cul. Et vous avez vu, n'empêche, hein, parce que là, on avait plein de points au début, tout est parti, hein, et encore, on a même pas ouvert la moitié de la map. Hein. Je vous le dis, la moitié de la map n'est même pas ouverte là. Bon, ça va vraiment être génial, ça va me faire chier. Leur chien là, vraiment chelou. C'est un peu des chiens, je sais pas. T'as vu, ils ont vraiment un look bizarre, les Klebs là-dedans. Dans ce mode-là, ils ont vraiment un... Oh putain, vite. Ah non, j'ai déjà fait le... Je suis con, j'ai déjà fait le truc. Là, du coup, ça va recommencer, parce que je crois que je les ai tous eu, là, du coup, les gars. Ouais. Du coup, si je pouvais avoir directement un truc qui permet d'avoir une arme améliorée... Je serais content, comme ça je me prends la M16. Bon, les amis, on ouvre. Ici, on a une autre salle, il n'y a pas grand chose dedans. Là, on a un truc. Bon, bref. MP40 ici, tour de passe-passe. Et si on ouvre ici, on arrive à l'extérieur. Voilà. Donc là, on arrive dans une petite zone assez sympa. Et on peut se prendre une STG-44 ici, j'avais pas vu, d'accord. Ici ça s'ouvre pas. On a un emplacement de boîte et puis sinon ben, en soi ça s'arrête à peu près là. On a encore des portes là-bas à ouvrir de ce côté-là. Ici ça s'ouvre aussi, c'est... Vraiment la map est vraiment géante. Hein. On dirait peut-être pas comme ça, mais la map est vraiment géante. C'est affolant, franchement c'est un truc de dingue. Parfait. Franchement, il tombe bien. Oh, le charognard! Trop bien, mon gars, on a le charognard. Bon, bah, celui-là, déjà, je le change pas. Une Galil, trop bien! Oh là là, on a vraiment des bonnes armes. Hein. Je veux pas dire, mon gars, mais là. Pour le coup, on a vraiment eu des bonnes armes. À croire que c'est Noël. Allez, file-moi un gobblegum. Oh, dessus, mon gars, j'échange pas mon... Il est vraiment trop beau. Hein. Vraiment beaucoup trop classe. Là, normalement, c'est bon, non? Ouais. Ah merde, j'ai pas pris mes points. Chier. J'ai débile, pour moi. Je vais jouer un petit coup avec la Galil. Avant de la lâcher pour prendre une autre arme, parce que vraiment elle est classe. Hein. Vraiment la Galil, waouh. Moi je trouve qu'elle en jette. Hein. En plus, même niveau dégâts, elle est pas si mal que ça, tu vois, pour dire que là on est déjà manche 9. Bon, oui, on a un double coup. Il est vrai. On a un double coup. Mais franchement, elle fait du dégât. Oh oui. Je me prends la machine parce que franchement, jouer avec celle-là de machine, c'est vraiment. C'est vraiment un plaisir. Elle est vraiment super jolie. Hop, on termine un petit peu de bourriner. Et puis, je me prends du coup la STG-44. C'est parti, voilà, en amélioré. Elle est vraiment classe. Petit charpentier. Et puis du coup, bah, on va ouvrir ici.
nothing to do with me. Et puis il y a un endroit où on pouvait acheter le pistolet de la Reine des Neiges. Je l'appelle comme ça, en vrai c'est le pistolet qui est sur Five. Ah putain, c'est la manche spéciale. Je longe les murs, hein. Je fais la technique du longeage de murs. Oh là là, c'est tellement... Franchement les gars, Black Ops 3 en ultra, c'est quand même vraiment magnifique. Black Ops 3 en ultra, c'est quand même vraiment magnifique. On va jouer avec le Scavenger. Le viseur n'est pas non plus le même que sur Black Ops 1. C'est... Ça fait vraiment quelque chose, j'ai vraiment envie de voir ce que ça fait quand tu joues avec. Je vous ai passé 2-3 trucs de l'easter egg, hein, les gars, franchement, parce que sinon, je vous le dis directement, on n'allait jamais s'en sortir, on n'allait faire que ça. C'est bien. C'est grave cool. Bon. Donc du coup, là, c'est sûr, forcément, normalement, j'ai rien, là, parce que j'ai le PhD. Donc oui, j'ai rien. C'est dangereux de tourner ici. C'est très dangereux, même. On va vite se casser de là. Ouais, on va vite se barrer. On va retourner là où on était tout à l'heure. Hein. Franchement, je vous le dis, on était bien mieux là-bas. Casse-toi, toi. Non mais oh, faut pas se foutre de ma gueule non plus. Ils sont chiants de spawn dessus. Franchement, c'est infernal. Putain, les bestioles, elles arrivent sur ton pif, quoi. Franchement, c'est... En fait, quand on est à l'intérieur, en fait, c'est beaucoup plus beau, en fait. Genre, limite, j'ai juste envie de rester à l'intérieur parce que, genre, les couleurs sont vachement plus prononcés, et du coup c'est beaucoup plus joli. Ah putain, là je suis un peu zoubé là. Bon, parfait. Écoutez les gars, je pense qu'on peut essayer genre de se passer peut-être une petite dernière manche tous ensemble. Tous ensemble. Comme des amis. Avant de se laisser du coup sur cette fin. Oh non. Bon. Ok d'accord, donc lui il a vraiment pas fait long feu. C'est vraiment le cas de le dire. Putain, là aussi ça a fait du dégât là-dessus. Hein. Parfait, la machine. Ça, elle fait tellement mal cette machine. C'est vraiment un carnage. Hein. Non, y'a personne là. Je vais peut-être attendre qu'ils arrivent un peu quand même, hein, parce que bon, moi j'attends que ça là qu'ils arrivent. Hein. Ah, y'a un gros. Ouais. J'ai bien l'impression que oui. Ça fait quoi si je tire dessus Ça les a tués? Ah, pas l'impression que ça les a tous tués par contre. Ah merde, j'ai la M14 dans la main, c'est pas la M14 que je voulais. C'était la STG. Je vais un petit coup avec. Vraiment, j'essaie un petit peu d'alterner les armes. Hein. J'essaie un coup d'alterner. Putain, c'est tellement classe. C'est franchement super joli. C'est quoi, j'ai même encore envie de me refaire une manche. Encore après celle-là, bon, c'est cool. C'est tellement classe. Le pack à peine, je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment trouvé comment est-ce qu'on devait faire pour l'activer. Je sais pas, il y avait des téléporteurs et tout, mais tout à l'heure j'ai tourné pendant au moins 45 minutes pour réussir à le trouver. Enfin, à le trouver, non, mais 45 minutes en plus pour rien, parce que j'ai même pas réussi à le trouver en plus de ça, tu vois. C'est même pas comme si j'étais arrivé, non, là c'est pas le cas, j'y suis même pas arrivé en plus, vraiment tel un gros naze. Hein. On arrive encore à la fin, hein. On arrive à la fin de la manche, donc bref, voilà les gars, la vidéo va se terminer là. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, bye bye, c'était le Darvaduck, merci d'avoir suivi, gros bisous à vous les amis, ciao.